Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation tout à fait ordinaire, parler de la météo, de nos projets pour le week-end, bref, faire un peu de small talk, mais en français lent. Et avant de commencer, on vous rappelle que le 1er avril, notre club de lecture commence sur Discord. Avec tous les membres de la communauté Easy French, nous allons lire ensemble le livre « Une famille compliquée » de France Dubin. Et à l'issue de ce projet, nous allons la rencontrer en live. Pour nous rejoindre, inscrivez-vous sur le lien easy-french.org/membership. Toutes les infos sont là. Et maintenant, passons à la vidéo. C'est parti. Alors, comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Tu es fatiguée à cause du travail? Oui, et j'étais de garde à l'hôpital tout le week-end, donc je n'ai pas pu me reposer. Oh, ma pauvre! Oui, c'était dur. Heureusement, j'ai eu un jour de repos, mais je n'ai pas complètement récupéré. Et toi, tu as fait quoi ce week-end? Je suis allée à Bordeaux pour voir mes parents et ma sœur. Ah, super! C'était comment? C'était très sympa. Il a fait très beau, donc on a même pu aller au bord de la mer. Oh, la chance! Tu t'es baignée? Non, quand même pas. Il ne faisait pas assez chaud. Mais c'était quand même sympa de se promener sur la plage. Depuis qu'il a commencé à faire beau, on est plus en forme. Oui, c'est fou! J'ai beaucoup plus d'énergie depuis qu'on a un peu de soleil. J'espère que ça va durer. Je crois qu'il va pleuvoir ce week-end. Oh non! J'avais envie d'aller me promener au bois de Vincennes. Je vais peut-être faire autre chose du coup. Et toi, tu as prévu quelque chose? Samedi, je vais prendre un café avec une amie. Et si on a le temps, on ira peut-être au cinéma. Dimanche, je vais sûrement rester à la maison et faire la lessive et le ménage. Oui, moi aussi je vais faire ça dimanche. J'ai beaucoup de lessive en retard, mais je vais quand même faire la grasse matinée. Tu as raison. Bon, ça te dit qu'on aille se balader? Allez, je vais payer et on y va. Ah, c'est agréable de profiter du beau temps comme ça. J'ai l'impression d'être en vacances. Oui, moi aussi. D'ailleurs, tu as prévu de partir bientôt en vacances? Oui, cet été, je vais passer une semaine dans le sud, près de Toulon. Trop bien! Tu pars avec ta famille? Oui, je pars avec toute ma famille et avec mon copain. J'ai trop hâte. Tu m'étonnes. Et toi, tu vas partir en Corse, je suppose? Non. Tu sais, cet été,
personne ne peut prendre de vacances à l'hôpital à cause des Jeux Olympiques. Ah oui, c'est vrai. Mais tu pourras peut-être partir en septembre. Oui, on va faire ça. Et les billets seront moins chers. C'est sûr. Et il y aura moins de monde. Et il fera encore chaud. Mais ça va être long d'attendre tout l'été. Ah oui, je comprends. En plus, Paris ne va pas être très agréable. Oui, ça va être bondé. J'espère au moins qu'il n'y aura pas de canicule. On verra bien. Pour le moment, il faut juste profiter du printemps. Le soleil nous a manqué cet hiver. C'est sûr, mais il faut quand même qu'on se remette au travail, non? On a une vidéo à terminer. Mais la vidéo est terminée, non? Ah bon? Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un petit commentaire en français. On vous dit à la semaine prochaine. Salut! C'est pas un peu penché là? Si, oui, carrément. Complètement. Mais alors... Je crois que c'est encore penché. Hein. Encore penché, ça va? Ouais, je sais pas, je vois la ligne qui a pas l'air droite. Non. Ouais, t'as raison. Ouais. Ok. Je sais pas. Ah oui, mais j'ai mis mes chaussures. Juste...